Elle n'était pas un magicien, n'avait jamais tué de dragon. Mais le destin, voilà, l'a vraiment pris pour un con. Enchanté, ses exploits, bien au-delà des frontières de cette terre. Et encore aujourd'hui, on rencontrera ses exploits de beuverie. Allez, bonjour à tous, nous sommes encore une fois de plus sur le Seigneur des Anneaux Online pour un nouveau let's play. Aujourd'hui, ça sera de la beuverie. Un petit peu de combat là, j'avais envie de commencer avec quelques armes en colère en moins. Allez, c'est parti. Et donc là, j'ai essayé de pas trop attendre pour vous choper le concours de gloutonnerie de Yule. Parce qu'on est toujours au festival Yule. Ça va être encore. Bon, je sais pas si je vais faire encore mettre spécial Yule sur la vidéo. Alors, apparemment, ça. Le festival de Yule continue jusqu'au 5 ou 10 janvier. On verra bien. Bon, pour le moment, je défonce, ça va être assez rapide. Sur level 10, moi je suis level 27. J'ai fait quelques escarmouches hier, donc je suis un peu monté en level. Enfin, oui, j'ai dû monter en level hier. Je sais plus c'est quand vraiment que j'ai monté en level. J'ai pas trop fait attention. Parce que je m'intéresse pas à monter en level. Je préfère me balader. Donc, c'est également pour ça que Irve. J'allais dire Irveline comment le personnage d'une de mes histoires. Non, le nom de mon pseudo s'est inspiré d'un de mes personnages d'une histoire que j'ai écrite, mais ce n'est pas ce perso. Elle, c'est Irviel. Oh, non, Irviliel. Oh, j'aurais dû trouver un pseudo plus simple, hein, mais bon. Je voulais quand j'ai à la base, je voulais jouer sur le serveur roleplay. Du Seigneur des Anneaux, sauf que le serveur roleplay avait l'air d'être fermé, en tout cas je pouvais pas créer de nouveaux personnages dessus. Alors bon voilà, c'est fini pour eux. On va aller donc au concours de gloutonnerie, hein, parce que bon, on s'est caillé les miches, alors une bonne boisson chaude ça nous fera du bien, de la bière, du jambon et du saucisson. Allez, on y va, Caradoc. Et donc j'irai peut-être rendre la quête maintenant, quoique ça presse pas, je vais plutôt. Parce que bon, j'ai peur que la vidéo plante, hein, parce que. Ah, c'est toujours. Ça m'avait marqué la fois où justement j'ai fait la vidéo d'une heure, plein de rires et tout. C'était quand c'est tout. Bon, finalement, pas si mal que finalement qu'elle est plantée parce que je me suis rendu compte que le son avait a tendance à être mal pris avec mon logiciel actuel. Et vous n'aurez pas pu profiter de la bande son qu'il y avait eu ce jour-là. Parce qu'il y avait une magnifique bande son. Pareil, quand je ferai l'épisode sur la maison elfique, j'ai installé une musique dans la maison que je possède. Sauf que apparemment, mon logiciel. Enfin, il n'y a pas assez de réglages. Je peux pas rentrer dans les réglages suffisamment pour modifier ça, mais apparemment, il n'arrive pas à prendre le son du jeu en même temps que je fais le micro, donc c'est un peu idiot. Alors, bon, c'est pas grave. Là, il n'y a pas grand chose comme son. Hein. Il vous suffit juste d'imaginer un vent frais glacial qui siffle entre les arbres et entre les pans des maisons. Voilà, on est parti pour faire en mode maître du jeu là. Et vous pouvez également entendre quelques chevaux se déplacer dans la neige. On entend aussi également un peu les bruits de quelques voyageurs pressés se dépêchant d'approcher des ménestrels. Alors côté musique, on a un petit peu de lutte, c'est assez agréable. C'est bon. C'est donc. C'est l'hiver, c'est la fête, on a des belles statues. Et bref, sinon concours de gloutonnerie. Alors je me suis dit que si. Là je m'étais un peu préparé à l'avance, si le concours de gloutonnerie n'ouvrait pas maintenant, qui est le cas, alors soit j'attends là et que je continue à vous parler un petit peu parce que j'ai tendance à beaucoup radoter en début de vidéo. Soit ou. Je commence déjà à racler la gorge moi. Donc je vais boire une tasse de thé, parce que ça va faire naze sur la vidéo sinon. J'ai tellement mis de temps à m'échauffer que mon thé il reste presque plus rien et il commence à être froid. Donc j'ai dit que si le concours de gloutonnerie, bon, il est toujours pas lancé le concours de gloutonnerie. Hein. Je vais essayer, j'ai su arriver au cinquième round la dernière fois. Cinquième round, il me restait juste un plat à manger. Sauf qu'il restait plus que de la tourte et j'avais le stomach plein et j'ai fini par me dégueuler dessus, tomber dans les vapes. C'est pas de chance, c'est pas de chance. Bon, on va attendre pour le concours de gloutonnerie. Je vous propose de faire un petit bonhomme de neige. Alors, j'ai fait tous les bonhommes de neige et j'ai eu le succès. Donc, je pense que ben, je vais le mettre sur le combat parce que j'aime pas trop lire les discussions au monde. Des fois, en plus, il rage pour des conneries.
Alors, on va faire un bonhomme de neige. Je vous propose bonhomme de neige élégant. Est-ce qu'il faut une écharpe? Parce que j'aime bien qu'il y ait une écharpe. Ouais, celle-là, franchement, je l'avais raté. C'est la fois où j'avais fait la vidéo d'une heure qui s'est... Ah là, les délires. Bon alors, il faut donc que je rassemble tous les éléments pour faire mon bonhomme de neige. Bon, attendez, je vais cacher l'interface parce que là, j'en ai pas besoin. Puis je vais y aller à pied, c'est pas grave. Parce que j'ai pas envie de rouvrir l'interface pour le cheval, c'est pas grave. Hein. Allez, oh! T'aimes bien les glands, hein? Ouais, je suis une elfe qui vient de Glandor! Ça fait peur. Allez. Des bâtons. Et qu'est-ce que je me rappelle plus qu'il fallait d'autre par contre? Donc je vais remettre l'interface du coup. Je vais mettre l'interface en version non skill de combat, c'est-à-dire prendre moins de place sur l'écran. Là, j'ai pas besoin de combattre. Il me faut l'eau de forme. Du charbon et l'écharpe. Bon, bah non, de toute façon, vu que ça fait plus d'une semaine que je fais les quêtes tous les jours, je reprends mon cheval parce que j'en ai marre de marcher quand même à pied. En plus, ça fait froid aux pieds la neige hein, quand même. Alors, Ah ouais, l'eau de forme il est là. Alors, franchement, meilleure planque du monde pour un eau de forme quoi. Non mais franchement, je sais pas qui est l'imbécile heureux qui a décidé de mettre en haute forme là, mais bon, faut vraiment avoir un coup de bol quoi. C'est comme l'écharpe. J'avais cherché pendant des jours l'écharpe et puis finalement, ah merde, mais elle est là, la petite vilaine. Alors l'écharpe, elle est où déjà? Elle est sur ce muret là, je crois. Elle est là. Elle est juste là. L'écharpe. Une belle écharpe. Ressemblant plus à une guirlande, mais elle est jolie, elle est blanche et bleue. Et c'est le moment qu'il y a un gros retrou là. J'allais dire un truc. Bon, ok. Ah oui, puis le charbon, il me faut. Parce que je réfléchis en même temps ce qu'il me faut. Bon, alors voilà. Oh bah, concours de gloutonnerie. Bon, finis le bonhomme de neige plus tard. Concours de gloutonnerie, ça s'impose. Bonjour à toi. Le plus gros estomac du monde, allez! Allez, allez, allez! J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim! Ils sont déjà 3, il va plus rien me rester à manger! Faut choper en premier. Alors, la stratégie du concours de gloutonnerie, c'est de choper en premier les plats qui prennent pas beaucoup de place dans l'estomac, genre les œufs, les myrtilles, les champignons. Là, faut surtout pas prendre de bière, sinon on est bourré et on n'arrive plus à avancer. Allez, c'est parti. Merde. Mince, 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 mince. Allez, champignons, myrtille, B, 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 c'est ok, c'est ok. Œuf, 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 vite, il m'en faut encore. Œuf, champignons, 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 champignons. Mastication de champignons, c'est ok. Mince, 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 ils ont tout mangé, il me reste plus que la tourte. J'ai commencé avec une tourte. Oh là là, oh là là, oh là là! Champignons, vite, champignons! Je vais pas finir, je vais pas finir, je vais pas finir. Vite, vite, parlez, parlez. Terminé, c'est ok, on est ok, on est on go 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 go. C'est plus une course que un concours de gloutonnerie en fait. Hein. Là, on mange, mais faut manger vite. Hein. Justement, c'est glouton. Hein. Alors, j'ai pas de concurrent là. On se détend un petit peu. On mange les baies, on rafle tout ce qui est léger à manger de la table pour manger le plus possible et arriver à la fin. Des œufs, super. Enfin, c'est surtout que ça. J'aimerais bien que ça se lance. J'entends 32 secondes. Champignons. Œufs. J'ai gardé une gêne, fais chier. Allez hop. Vite, parler. Terminé. C'est emballé. J'ai plus que 59 secondes. C'est où déjà? C'est là. C'est là-haut, c'est là-haut, c'est là-haut, c'est là-haut. On court, on court, on court, on court, on court, on court. On court, on court, on court, on court, on arrive, on sait parfait. Il me faut une boisson mystérieuse. Non, non, non. B, B, B. On prend des B. Encore des B. Champignons. Œuf. Non, j'aurais dû prendre des B. C'est le plus lent. Ouais, je commence à prendre du temps. Je commence à avoir l'estomac plein. Ah oui, j'ai l'estomac plein. Rassasié, je suis foutu. J'ai plus que un aliment à manger, allez, on se dépêche. 22 secondes, 22 secondes. Vas-y. Bon, allez, j'ai pas le temps de lire. Oh là là, non, 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 je commence à avoir envie de vomir.
Heureusement, si j'ai l'écharpe, j'ai l'écharpe. Bon bah au pire j'aurai un quelque chose pour m'essuyer la bouche. J'aurai l'écharpe du Père Noël, du Père Noël, du bonhomme de neige et j'aurai également. Allez, on se concentre. Et j'aurai également le haut de forme pour au lieu de vomir dans le casque d'un pauvre nain. Bon au moins je serai pas le premier à tomber dans les vapes. Il y a déjà un hobbit qui est mort. On n'a plus qu'à ramasser son cadavre. Ah ouais, mais c'est plus difficile que la guerre, hein, le concours de gloutonnerie. Hein. Allez, consommation d'œufs. Je suis au poste 3 seulement, là, je suis presque en train de mourir. Là 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 là, là c'est de pire en pire, je tiendrai jamais le coup. J'y arriverai pas. Je suis au quatrième poste, oui. Terminé, terminé, valide, voilà, c'est bon. Je suis quatrième, je suis quatrième. C'est où après? C'est où après? C'est par là? Je m'appelle plus. Oh là là, j'ai plus en plus envie. J'ai plus en plus. Je sais plus où c'est le quatrième. C'est où? Oh, le coup de moment de... Ça va être le moment de panique. C'est pas ici, c'est pas ici, c'est pas ici, c'est pas ici. C'est où le concours de gloutonnerie là? Je sais plus. Mince, je me suis paumé, c'est pas par là. J'ai plus 38 secondes pour le trouver. J'ai trop de trucs à marquer sur la carte, je vais pas le trouver. C'est. Y'a pas où il... Ah si, c'est là, y'a où il y a le hobbit mort. Enfin, qui est à moitié crevé là. Allez, ça a marché, ça a marché vite. Oh, j'ai plus que 23 secondes. Allez, allez. Oh là 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 là. En plus, je suis à moitié bourré. Je sais pas ce que j'ai là. Je marche en crabe là. C'est bizarre. Là. 10 secondes, j'ai plus. Allez, encore deux plats, deux plats. J'arrive pas à l'attraper. Putain, j'y arrive, j'arrive pas à la choper. Elle est où ma souris? Je la vois même plus. Elle est là. Ah vache, j'ai perdu. Bon, au moins, bon alors j'ai fait un petit peu moins qu'hier. J'ai fait quoi la dernière partie, la partie 5, j'ai fait quoi 2-3 aliments. Hier, j'avais réussi à faire les 4. Il ne me restait plus que le dernier. J'avais gagné le concours de gloutonnerie. Enfin bref, c'était. au moins, ça serait bien qu'on fasse ça dans la vie réelle, parce qu'au moins, c'est que tu cours entre les tables, donc ça fait un peu sport entre les deux. En plus, si t'as vraiment bouffé beaucoup de champignons, je pense que t'as tendance à avoir envie de vomir, et donc tu vas pas garder beaucoup de, tu vas pas prendre beaucoup de poids. Allez, c'est parti, charbon, c'est parfait. Allez, on va peut-être se détendre un petit peu, parce que là, je suis un peu en mode course, là, sur le let's play. Là, je suis en mode, allez, on speed, et puis on fonce à finir toutes les quêtes. Alors bon, c'est pas super super terrible. Alors je fais quoi? Après qu'est-ce que je pourrais vous offrir en plus? Parce que là il y a que 12 minutes de let's play et j'ai déjà fini toutes les quêtes que je voulais faire. Parce que je voulais faire la quête des Ents. Ça, je suis décidé ça ce matin juste avant de faire let's play. Je me suis dit, tiens, on va faire la quête avec les Ents là. Enfin, les espèces de ils appellent ça les arbres en colère. Et bon, pour moi c'est des Ents. Hein, bon. Sont juste miniches quoi. C'est des petits taïks en colère qui veulent te tuer quoi, c'est tout. Alors voilà, c'est parti. Chez mon bonhomme de neige, j'ai fait un bonhomme de neige élégant, je sais plus. Pourquoi j'arrive pas à le prendre? Attends, j'arrive pas à voir mon message derrière. Ah, en cours d'utilisation, je suis bête. C'est ça qu'on cache leur face. Voilà. Donc j'ai un magnifique bonhomme de neige. Ouais. Super. Moi, je vais faire une petite screen là pour illustrer ma vidéo. Attends. 2 secondes. Voilà, ce serait parfait. Comme ça, je mettrai dans cette zone-là, je mettrai le titre pour ma vidéo. Allez, on va cacher la souris. Quoique c'est vrai qu'un Steam dans le monde il prend pas la souris. Donc voilà, j'ai fini. J'ai plus qu'à rendre la quête au PNJ. Alors il y en a plusieurs bonhommes de neige. Moi, j'ai fait les 5. Alors il y a le bonhomme à casquette de Virgile. Alors lui, j'aime bien. C'est qu'il y a une variante. Enfin, il a une. Ils mettent à casquette, mais il a un chapeau et une pipe. Moi j'appelle ça le bonhomme de neige Gandalf. Le bonhomme de neige à l'écharpe de Virgile. Lui aussi, c'est celui-là, le fameux bonhomme d'écharpe. Enfin, le bonhomme que j'ai cherché pendant des jours, l'écharpe. Alors lui, c'est le fameux bonhomme de neige. Quand t'as fait les 5 autres bonhommes de neige, tu l'obtiens lui pour décorer ta maison. Parce que, bon, faudra que je le fasse, ce let's play sur la maison à moi. Hein, ma petite maison elfique. J'obtiens plein de décors. Hein. Bonhomme de neige avec des moufles de Virgile. Voilà, c'est celui-là et celui-là, la version élégante. Hop. Alors, tous les. Je vais en profiter pour. Vu que là, j'ai plus grand-chose à faire, moi.
Je pourrais vous faire des quêtes, mais peut-être que ça vous intéresse pas forcément. Bon, si vraiment ça vous intéresse de me voir faire des quêtes plutôt que faire des mini-jeux, tout ça et tout, n'hésitez pas à le dire en commentaire de la vidéo ou sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Alors si vous me suivez pas sur le blog, peut-être que vous le connaissez pas, la page Facebook. Bon, normalement, je publie pas mes vidéos LSP dessus, c'est surtout mon côté à travail écrivain. Mais après, peut-être que si ça vraiment ça intéresse, je pourrais publier en plus. De toute façon, le jour que je publie une vidéo, il y a peu de choses qui sortent côté écrit. Parce que le temps d'écrire et puis de publier, bon, des fois j'ai pas forcément le temps. Donc j'ai dit que. Ah oui, j'allais vous montrer où sont où on trouve les récompenses. Alors, j'avais dû en parler dans la vidéo d'une heure, mais pas dans les autres vidéos plus courtes. Alors, et comme la vidéo d'une heure, j'ai pas pu l'enregistrer. Alors, il y a le drapeau de Yule. Ben, c'était l'étendard. Les bonhommes de neige, on peut se prendre. On peut également avoir une sorte de familier, je crois. Les montures, dont celle que je chevauche. Elle, c'est la monture. La monture neigeuse de l'italien, si je crois que c'est ça, non, c'est la monture. Si, c'est la monture neigeuse de l'italien, c'est quelque chose comme ça. Dans le monde, elle s'appelle Gelée Blanche, moi je l'ai rebaptisée en Isgramor, parce que voilà, c'est un petit clin d'œil à Skyrim, parce que je pense à Skyrim ces derniers temps. Et donc. Alors, l'esprit c'est Skyrim, je sais pas si j'en ferai. Je sais ça à voir. Mais je suis pas contre également de faire un petit let's play Skyrim. Parce que là, j'y pense. Comme ça, faut juste que je vois ici ça rame pas trop sur mon nouveau PC. Parce que le dernier PC c'était tout juste et comme celui-là est moins puissant, ça serait pas passé. Donc, avec les jetons de Yule, je peux acheter toutes sortes de costumes, des montures. Est-ce que je l'achète celle-là? J'en ai 40 points de jetons, je sais pas. Regardez ce que propose la boutique. De toute façon, je risque d'avoir assez de jetons en finissant toutes les autres quêtes. Objet échangeable. Donc, ah si, je vais en prendre une comme ça. Parce que ça, c'est pour retourner à Hibernaville, il faut avoir la carte de téléportation, je pense, parce que j'ai plus la quête pour me téléporter la première fois. Donc, ça fait un jeton en moins. Je dois en rester plus beaucoup. J'en ai combien? J'en ai encore 51. Ouais, j'ai 51 et un jeton d'or. Bon, alors, c'est des costumes. Et aussi des petits cadeaux aléatoires, comme le cadeau des elfes. Ah et ça, c'est si vous aimez le théâtre, les troubadours, enfin si vous êtes comme moi qui aimez le théâtre, les troubadours, ou monter sur une scène pour faire de la musique pour les autres joueurs, à défaut de le faire à la taverne, vous pouvez également vous prendre une scène de théâtre pour répéter chez vous entre amis, c'est vraiment génial, moi je l'ai prise. Et limite, j'ai envie d'en prendre une pour les offrir à mes amis. Donc bon alors si vous venez jouer avec moi à l'Otro avant le 5 décembre, si en plus non seulement vous risquez d'être embauché pour participer à un let's play, et en plus vous aurez peut-être une scène de théâtre gratuite offerte, parce que je crois que c'est changeable, hein, ça doit être changeable, oui ça a l'air d'être changeable. Alors je sais pas si je la prends pour être sûr d'en avoir une, mais bon. Alors après il y a quoi d'autre? Il y a aussi les cartes qui sont pas mal, je les ai prises. Alors, je sais pas trop, on a également des titres, mais bon, moi j'ai le mien, ça me suffit largement. Et donc, après, bah, je sais pas trop ce que je pourrais m'acheter, parce que j'ai, bon, à part des tenues, peut-être un drapeau d'huile, c'est peut-être pour remplacer la bannière que j'ai actuellement, parce qu'elle est assez jolie. Je peux toujours essayer d'en prendre une, ça me fera. Je verrai ça tout à l'heure. Je vais pas vous alourdir avec la vidéo, avec ce choix de cosmétiques. Alors, il y a déjà 18 minutes que je tourne. Alors, je vous propose une dernière petite quête, parce que bon, ça va être assez lent à uploader, mais bon, c'est pas grave, j'ai toute la journée pour devant mon PC, enfin, pas devant mon PC, mais tiens, je vais la rendre celle-là en même temps, parce que je l'ai faite en début de partie. Donc, j'ai déjà 11h39, mon thé est froid, d'ailleurs, j'ai complètement oublié. Voilà, finalement, je crois que je vais être guéri, ça va être bon. Merde, du Earl Grey froid, c'est dégoûtant. Bon, alors, je vous propose de faire une dernière quête et puis tiens, on a un voleur qui fait les poches des passants là. En mode je suis pas du tout repérable. C'est un peu idiot sur ce jeu. Alors si c'est parce qu'il est de level 100, il a une compétence maîtrise à fond. Alors les compétences des tonneaux presque vides, elles sont rigolotes aussi. Oh, je fais quoi? Je l'ai pour un petit bonus, je fais quoi? Allez. Oh putain, je vais faire celle-là, rigolote, et je vous laisse après parce que ça va être un peu lourd à uploader. On est 19 minutes là. Bon, après, en bon let's play, ça peut être un bon let's play de 40 minutes, hein, mais bon.
C'est pas la durée qui compte, quoi, mais bon, il n'y a plus qu'un tonnelier. Bon, alors là, dans cette mission-là, ce qu'il faut, c'est de se trimballer avec un tonneau percé, parce que bien sûr, s'il n'était pas percé, ça serait pas drôle. Et ensuite, on doit courir jusqu'à l'endroit où les clients ont soif en évitant les gardes, parce que si un garde nous chope, on est pris. Enfin, on perd la partie. Là, il y a un garde. Là, il y a un autre garde. J'ai pas de balles, je vais vous montrer l'autre garde. J'ai perdu du temps, quoique peut-être pas. Bon, ça va, on a du temps normalement. Il est pas super loin. Les clients sont pas super loin. Bon, on va attendre qu'ils passent un peu pour être sûr. Allez, allez, je suis Altaïr, personne ne me voit, je suis caché dans la foule. Il y a d'ailleurs un veilleur caché dans la foule. Bon, on va rester un peu à l'écart. On essaye, on passe. On passe ou on passe pas? Bon, non. Un let's play, c'est pas sans un minimum de failles, hein. Voilà, c'est bon, j'ai réussi la mission. Franchement, ce veilleur avait de la merde dans les yeux. Je suis passé dans son champ de vision, il m'a même pas repéré. Allez, c'est parti. On rentre. Et puis, bah. J'espère que j'ai fait un assez bon let's play aujourd'hui. J'ai eu l'impression d'avoir pas mal d'hésitation dans la vidéo. Parce que je réfléchis en même temps que j'essaie de parler. Bon, alors. Je vais vous laisser, puis bon, pour le prochain let's play, peut-être j'aurai encore de quoi parler un peu au Festival de Yule. Sinon, peut-être que vous allez vous lasser à force de me voir dans cette petite carte créée spécialement pour le festival qui est toute petite. Parce que les cartes comme du Seigneur des Anneaux online, ils sont vraiment énormes. Enfin, énormes, je les trouve très très grandes quand même. Puis en plus, y a pas y a pas vraiment de voyage rapide, tout ça et tout. Enfin, je le trouvais très très bien, franchement. C'est dommage, il paraîtrait qu'ils ont simplifié la manière de voyager dans l'intermilieu, parce que je pense que dans le temps, j'aurais été en mode total roleplay, j'aurais été en joueur. Bon, alors, je fais mon feu de camp ici, tiens, ça va être parfait, il y a des brindilles et tout, il y a tout ce qu'il faut. Comme ça, je vais camper, puis je vous retrouve après cette nuit, parce que bon, je sais pas si vous avez vu, mais le temps que je fasse la vidéo, je sais, j'ai pas fait très attention, mais en tout cas, là, il doit être bien plus loin de minuit. Et donc, je vous dis à la prochaine. Plein de bisous. Et donc, on se retrouvera pour un prochain let's play, peut-être la maison elfique. Allez, bisous.